Alors aujourd'hui, on vous fait le match. Oh, on a joué sur le filet. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de ce type de match. Ah bon? Non. Bon, la côte de bœuf Black Angus versus la côte de veau Galice. Alors, ces deux belles côtes de bœuf nous viennent de chez Guarda Pampa. Et c'est très simple, on va les faire aujourd'hui à la plancha. Alors ici, la côte de veau de Galice et la côte de bœuf Angus ibérique. Alors la différence entre les deux, c'est que bah, moi ici, je suis sur du veau. Du veau qui est élevé en Espagne, dans le nord-ouest de l'Espagne, dans des conditions plutôt agréables. Parce que déjà, c'est l'Espagne, il fait bon. Déjà, il fait bon là-bas. Et ce bœuf, lui, est élevé aussi dans le nord-ouest de l'Espagne, au nord de Valladolid, dans les plaines de la Salamanque, les prairies de la Salamanque et dans les montagnes de León. Comment tu dis? Valladolid. Valladolid. Ouais, ouais, t'es Valladolid. Un accent espagnol. Franchement, t'es meilleur en accent que Laurent. Hein. Il y a une caractéristique assez commune entre ces deux viandes, hein, c'est ce gras intramusculaire. C'est ça, hein. Il est joli, hein. On le voit bien, il est très visible. C'est pas un gras qui englobe le muscle, c'est un gras qui est dans le muscle, donc intramusculaire. Alors toi, t'as une maturation, je crois, combien? J'ose pas le dire, 21 jours. Ah, pas mal. Et toi? 25. Aïe, aïe, aïe. Je pense que je peux gagner déjà un point. Non, sur ce match-là, on va faire quelque chose de très simple. Déjà, on va parer un petit peu la côte de bœuf. Ouais, très bonne idée. De manière à garder un petit peu de gras et de préparer la plancha avec. Voilà, donc ça, gardez cette idée. Voilà, ça vous fait du bon gras bien. Voilà, plutôt que de mettre une huile neutre. Neutre. Gardez votre gras pour préparer votre plancha. On va faire ça à la plancha. Ça va être assez simple puisqu'on va saisir la viande de manière à venir la croûter. Ça, c'est bien. On va mettre des sondes. Sur la sonde, on peut être un peu partagé puisqu'effectivement, sur ces côtes, on conseille en général de ne pas les piquer à la fourchette de manière à garder le jus à l'intérieur. Donc on va essayer de les piquer par le gras et quand même de manière à avoir une cuisson parfaite puisqu'on va chercher à atteindre, on va chercher le saignant. Donc si on est bleu, on est à 35 degrés, le saignant, on est à 40 degrés. Donc on va plutôt chercher le saignant. Donc voilà, avec les sondes, on va quand même tester les côtes pour avoir la cuisson optimale. On met un petit truc dessus ou pas? Écoute. Est-ce que tu as des petits jouets J'ai deux robes. Oh là là. Un robe bouché, un robe argentin. Ça, c'est le robe argentin qui est assez herbacé. C'est bon, clairement, hein? Oui. C'est bon, hein? Ah oui. Ouf, putain, celui-là. Ça, c'est le robe bouché. Oh mon Dieu. Ah, j'ai déjà une préférence. Hein. Ouais, moi aussi. Là, j'ai plutôt envie de boucher là. Et ben on est deux alors. Ouais. Stéphane, c'est ta première avec The First. Avec la plancha Le Marquis. Donc ben voilà, tu vas tester le piezo. Nickel. Ah oui, ça monte vite en température. Hein. Ouais. Mon Dieu. Donc là, on va prendre nos deux morceaux de gras et puis on va y aller. Hein. On va badigeonner. Hein. L'idée est très bonne. Ça fond super bien. Hein. Ouais. Pas mal ça, c'est une très bonne idée ça. Pour que le robe accroche. Ça, on ne rajoute pas d'huile différente, ça c'est bien ça. Toujours, hein, les côtes de bœuf, côtes de veau, faut les masser. Hein. C'est un peu ma signature. C'est le meilleur moment pour Pierre. Alors, notre plancha est bien chaude. Côte de bœuf à gauche. Côte de veau à droite. Côte de veau à droite. Allez, Go. Go. Est-ce qu'on peut dire que le match commence là? Le match commence, oui! Voilà, elle est bien, non? Faut la retourner. Ah ouais. Top. Moi je vais passer par le gras. Là, on a arrêté notre plancha au milieu. Donc là, c'est un premier élément intéressant. Hein. Vous voyez ici, on a 17 degrés déjà en interne. Vous avez la différence d'épaisseur. Ici, on a 12 degrés. Alors qu'elles ont passé le même temps dehors, même temps, repos, c'est ça, à température ambiante. Tu vas tourner un peu, non? Ouais, vas-y, tourne. Donc on la pique pas, vous voyez, on peut manipuler avec des pinces ou comme ça, avec des spatules. Alors là, c'est le robe hein, qui noircit. Hein. L'Europe brûle un petit peu, mais ça c'est normal.
Il est épicé le rhum. Ouais, je le sens. Je pousse. Donc là, vous voyez, on a coupé le feu ici, et ces deux-là, on les a gardés. Là, ça, c'est tranquille, c'est monté tout doucement. Celle-ci est à 35 degrés, celle-ci est à 21. Donc on va décaler celle-là vers le feu, voilà. Vous voyez, de suite, celle-là, on peut aussi la remettre un petit peu à température pour... Non, pas plus, celle-là. 38, tu vois, on va pas tarder à la sortir. Faut pas oublier que vos viandes, il va falloir les laisser reposer 7-8 minutes. Hein. Ouais, 40, on la sort. Voilà, on va la laisser reposer. On va mettre un petit talus. Chin, à la vôtre. Le match. T'es bien là, attends. Est-ce que t'es bien là? Ah, je suis bien. Là, on est à 36 degrés. On va peut-être pas faire la même erreur. Là, on l'a arrêté à 40. Faut savoir que ça prend quelques degrés quand c'est dans l'alu. Donc, elle peut être un peu cuite à mon sens. Donc là, on est à 37. 37, on l'arrête. Donc là, c'est bien. Il y a bien eu 7 minutes d'écart, je pense, entre les deux. En fait, ça a vite récupéré sur la fin parce qu'on avait quasiment un moment 10 degrés de différence. Ouais. Hein. C'était beaucoup. On a un peu monté la plancha et c'est assez facile de retrouver la... Ouais. Et sans la brûler, parce que si on regarde, c'est juste le rhum qui est un peu noirci, mais c'est tout, elle n'a pas brûlé. C'est toujours important de laisser reposer sa viande, on ne le fait pas assez. Pour que la fibre se détende aussi. Donc la fibre se détend et on laisse les jus à l'intérieur. Là, c'est top. La petite fleur de sel, n'a pas l'air mal. Hein. Mmh. Elle sent super bon. Ah ouais, elle sent très très bon. On va se découper l'autre dans la foulée parce que sinon ça va refroidir. Hein. Clairement. Donc c'est à toi, Pierre, de couper l'autre. Exactement. Le match était rude. Je ne sais pas si on va arriver à le départager. On commence par quoi? Côte de bœuf Angus? Angus ibérique. Alors on a mis une petite fleur de sel, hein, vous avez vu. Et qui sont super bons, hein. Vraiment, ouais. Juste comme ça en ouvrant le petit pot. On va se prendre des petits bouts comme ça. Ouais. Merci Pierre. Ah, le rub et la fleur de sel, franchement, c'est tip top. La viande est tendre, je ne sais pas comment vous l'exprimer. Putain. C'est délicieux, franchement, le rub est délicieux. J'en reprends un petit bout. Il est parfaitement, merci. Avec un peu de gras. Il est parfaitement en harmonie. Avec la texture de la viande. La viande est très bonne. Mmh. On se dit le sel c'est pas bon, mais moi je suis désolé. Le sel quand même c'est un exhausteur de goût. Mmh. Et là ça fait ressortir quand même. Et les saveurs du rub, mais surtout le goût de la viande. Moi je trouve que c'est délicieux. On va goûter le veau. Ah allez. Ah. Mmh. Ah. Surprenant, hein. Ah. Donc ça soit l'une ou l'autre, on sent il y a quand même des petites notes noisettes, fruits secs. Mais ça, je pense que c'est le gras intramusculaire qui amène ces saveurs-là. C'est vraiment très très bon. Mais il y a une petite différence dans la texture de la viande, je trouve. Mais c'est bon, franchement, les deux sont délicieuses. Non, franchement, c'est une très belle expérience. Bon, franchement, donc on rappelle, hein, c'est la viande qu'on a trouvée chez Guarda Pampa. Donc franchement, ils ont des très belles viandes. Moi, je sais pas ce que tu en penses. Moi, je pense qu'il y a un match nul. Ah ouais, c'est moi, carrément. Non, franchement, match nul. On aime bien des fois se prononcer à gauche ou à droite, mais là, franchement, il y a un match nul. Hein. Ouais. Un match nul. Après, petit côté sympa, l'épaisseur de la côte de veau, hein, qui permet d'avoir, franchement, cette belle épaisseur-là. Permet d'avoir vraiment une cuisson. Là, c'est un petit peu moins épais, mais comme la cuisson est jolie quand même. Hein. Puis la côte de veau, franchement, ça change par rapport à ce qu'on a habitué. Ouais. On a tout le temps la tendance à prendre une côte de bœuf quand on va au resto ou ailleurs. C'est vrai que la côte de veau, alors elle est un peu plus petite, normal, c'est un veau. Il y a une tendreté en fait. Mais c'est différent. Il y a une tendreté qui est hallucinante. La viande est beaucoup plus tendre que sur le bœuf, même si sur celui-ci, il n'y a pas photo, la viande est délicieuse. Hein. Mais ça change, voilà, côte de veau, ça change. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, un petit pouce. Un commentaire. Et on s'abonne. Et on n'oublie pas la petite cloche. T'es hyper fort, toi. Premier coup. Entertainment. Hey. Alors, Lolo n'est pas là, c'est parce que moi, je remplace toujours les stars. Et on va dire que c'est comme Céline Dion. Hein. Laurent, c'est Céline Dion. Il est absent. Céline Dion avait à Las Vegas une doublure. Une doublure. Je suis la doublure de Laurent. Ouais. En fait, il a même deux doublures. Hein. Vous avez vu. Je me demande s'il n'est pas un cran au-dessus de Céline Dion. Ah, peut-être. C'est même René, je pense. Ce qui serait intéressant, c'est de le faire chanter du Céline Dion la prochaine fois.
Ouais, franchement, c'est quand même pas ça qui est ça. Quand même. On essaiera. Marc, ça va renflouer les nappes phréatiques. Bon, c'était délicieux. Chin, Pierre. Allez, chin, à la vôtre.